Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à Borderlands 3. C'est la 8ème vidéo. Et donc on avait fait la mission secondaire pour Vaughn. On avait trouvé des portraits. On avait fabriqué des petites statuettes pour, à son effigie pour les remplacer sur les statuettes du camp adverse. Donc on avait fini cette mission. Je me suis arrêté là parce que la vidéo était un peu trop longue. Et on s'est téléporté jusque vers lui. Donc voilà, on va voir pour merci, terminer la mission secondaire. Mon rêve. Ah franchement, tout le monde devrait avoir sa propre figurine en or, non, tu crois pas? Entre nous, on a peut-être pas détruit les DDA aujourd'hui, mais quand ils vont voir ce qu'on vient de faire, ils vont comprendre. Donc qui c'était les DDA, voilà. Ah, ça ouais. On a remplacé avec les. T'entends il, ça, il est fou. Il est complètement à la ramasse, t'as mec. Plus qu'à te convertir au culte de mes abdos. Le culte de Vaughn. Voilà. Donc on a gagné un petit truc là, ridicule. C'est juste pour dire on fait bien le jeu. Donc on a fait quasiment toutes les petites missions secondaires qui étaient disponibles. Donc là on va aller rejoindre l'équipe pour rejoindre le vaisseau des pilleurs écarlates. Voilà, rejoindre le vaisseau dans la cale des pilleurs. On va essayer de pas se perdre. Donc je profite de ce petit passage de promenade pour vous passer le bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, aux nouveaux venus sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour les notifications. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Et que tout se passe bien pour vous. Les amis, donc voilà, je crois que c'est ici. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très vite. Donc alors nous sommes, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça fait un petit moment que je l'ai fait quand même, le jeu. Ouais, c'est au bon endroit, c'est ça. Donc je sais plus par où faut passer. Je sais plus, y a un truc. Ah oui, y a un truc. C'est ça. Faut pas passer par ici. Voilà, je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé. J'aurais dû mettre Waze. Il m'aurait indiqué la bonne route. Lol, alors. Voilà, faut passer. Je crois qu'il faut passer par là. En fait, on aurait dû tourner bien avant. Pour tout contourner, pour se retrouver derrière le vaisseau. Ouais, je me fais canarder, mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre la. Voilà, pour pas louper l'embranchement. Je vais mettre la carte plusieurs fois. Oh là, oh, oh. Violence là. La violence, heureusement qu'on paye pas les réparations. Parce que là, je pense que le code des villes y passe. Alors, Ouais. On est pas mal. Donc on monte. Le problème c'est qu'il y a pas mal d'embranchements, donc c'est vite fait de se paumer après. Bon, c'est pas non plus. On est en voiture, enfin en véhicule. Voilà. Donc, je crois qu'on peut passer. Voilà. C'est ici. Voilà, c'est ça. Moi, je suis passé, je suis arrivé de l'autre côté. Par contre, je sais plus si on rejoint directement les personnes ou si on va se faire attaquer. Il y a un truc. C'est trop calme. Voilà. Ouh, merci pour le voyage, Lilith. Alors, on y est, c'est ça? Après toutes ces années. Eh oui, ça va le vaisseau? Il est presque prêt. Il manque plus que du carburant et une puce d'astronave.
Chasseur de l'Arche, tu peux aider Ellie à préparer le vaisseau? Je vais regrouper les pillards et les amener à bord. Je m'en charge. Ok, à plus, Lilith. Reste bien sur tes gardes, Ellie. Les Calypso vont pas nous laisser partir aussi facilement. J'ai un petit cadeau pour toi, chasseur de l'Arche. La caisse là-bas roule au biocarburant. Et elle accepte. Bon, si jamais la bagnole a l'idée d'exploser, comme c'est la coutume sur Pandore, t'auras qu'à revenir et je t'enfilerai une autre, ma petite caille. Comme je t'ai dit, tout ce que t'as à faire, c'est rouler sur des bandits et des skags. Ça va, ça va pas être bien compliqué, ça. Elle marche ! C'est pas juste ! Tu vois ? Ça t'en fait, du biocarburant ? J'essaie de diversifier la franchise Autolock en visant le marché du carburant durable. Je sais que c'est crado, mais s'il y a bien une ressource dont Pandore manquera jamais, c'est les bandits et les skags. Faut se servir de ce qu'on a sous la main, pas vrai? Un peu. Voilà. J'ai presque ramené tout le monde à bord. Dès que t'as mis la main sur cette puce, on décolle. Très bien. Il me faut aller où là? Oh, oh. Bien joué. Très bien joué. J'imagine qu'il faut aller là. Ok. On a rempli le vaisseau. Comme ça, ça nous fait découvrir une zone qu'on n'a pas encore fait normalement. Ok. Quand on a fini par en sortir, on a découvert qu'il avait raison. Des bandits jusqu'au bout de l'horizon. Les bandits, c'était ça, la plus grande ressource non exploitée de la galaxie. Ils sont des milliards partout dans l'univers, des vestiges humains abandonnés après la guerre des sociétés. Ils sont brisés. Mais c'est quoi ça ? Ils se sentirent spéciaux. Alors okay. Ils se battent pour nous. Et ils meurent pour nous. Parce qu'ils ont enfin un endroit à eux, une famille. Ma famille. L'univers leur appartient. Pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour vous embêter, moi. Je suis juste là pour récupérer ce que j'ai récupéré. Je suis pas là pour gâcher la soirée. Alors, hop. Oh. Bah ça va, j'en ai bouffé assez des cartouches. Si tu te battais pour les gentils, tu serais... J'y vais ! La puce d'astronaute ne doit pas être loin, et on n'atteindra jamais Prométhée sans elle. Ok, ok. On se calme les gens, on se calme. Calmez-vous, tout va bien se passer. Voilà. Et mon arme légendaire là, elle est elle est légendaire. Voilà. Elle fait péter les têtes. C'est des Thanas, mais à chaque fois quoi.
Boum. Oh, il est loupé. Bah non, je vais pas arrêter. Pourquoi j'arrêterais? Je vous fais tous exploser. Hey, yes. Ellie, j'ai ta puce d'astronaute. Maman, ouh, je suis super pressée d'y aller, Pandore. Je suis là depuis tellement longtemps, je le sens dans mes os. On se calme. Comme une vraie maladie, c'est prouvé scientifiquement, hein. Il y a un message de Typhon de Léon, faut pas que j'oublie. Voilà. Vous avez dû le constater, Pandore n'est pas une planète foncièrement accueillante. Je suppose que ça s'est pas arrangé entre mon époque et la vôtre. Alors, si vous apercevez un truc au loin, tirez. C'est ce qu'on appelle une accolade pandorienne. Hé, hey, vous êtes qui? Ça c'est bon. Allez, dans la tête! Je suis mort en faisant ce que j'aime. Mais voilà! Alors, il est où le problème? T'aurais pas dû me chercher! Les toilettes? T'entends le vieux bruit, ça! Ah, c'est sale, mince! Ok, ok. Là, y'a rien d'autre à récupérer. Y'a une flèche là, qui nous dit d'aller là. Ben voilà, une petite cachette. Oh! Abruti. Abruti! On y retourne. Hein. Tant pis. Coquille, vraiment quelque chose d'intéressant à récupérer. Hop, hop. Voilà, j'ai oublié lui. Elle. Voilà. Alors. C'est d'aller moins vite. Oh. Oui, bon, bah y a rien, quoi. Allez, tant pis, c'est pas grave. On se promène. Allez, on continue la mission. Donc on a... rempli notre véhicule, on a récupéré... Oh, je me trompe de poste. On conduit, voilà. On a récupéré la puce. Eh ben, on fait demi-tour et puis on y va. Allez. Allez tout le monde, on se dépêche de monter à bord. Vous avez entendu le commandant. Souquez les artichauts, fermez les écouteurs. On a... Oui, on lui dira... D'accord. Va crever, Pandore. Tu pourras plus jamais nous faire de mal. Il est énervé, Claptrap, là. Je sais pas ce qu'il a, mais... A tout de suite, recrue. Oui, à tout de suite. Allez, reviens. Je vais m'occuper de faire le plein. Ok, ok. On peut passer là, cette fois-ci. Voilà, c'est ouvert. Oh, par contre, il est beaucoup moins maniable que... Une seconde, voilà. Je vais faire le plein. J'y crois pas, on va vraiment te surprometter. Ça va me faire du bien de changer de paysage et de choper du sang neuf. Je vais pouvoir montrer aux gars de la ville des trucs qu'ils voient que dans des documentaires animaliers. C'est rempli. Jour après jour, les VDA viennent se frotter. On peut y aller, recrue. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah ouais. Faucon ardent, donne-moi cette carte. Va crever. Cool. C'est parti. Je l'ai. Oh.
C'est trop bon. T'es une sirène ? Ouais. Bon. C'est un peu de famille. C'est moi, la sirène. Oui, c'est un parasite. Littéralement. Le jour de notre naissance, notre père a dû le séparer de moi. Et sans moi, il serait même pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je peux aspirer l'énergie de tout être vivant. Même toi, Faucon Ardent. Chasseur de l'arche légendaire, tueuse du destructeur. Faucon Ardent. Tellement de titres et si peu d'impact. Bon, j'ai pris tous tes pouvoirs. Autant t'achever après ça. Tai. Tairine. Soit. Oh merde! T'aurais dû voir ta gueule! T'étais genre... Non, mes pouvoirs! Tai! Tai, allez! On est en live dans 3, 2... Comment ça va, les petits amis? Ici la reine Tairine, en direct pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Le meurtre que vous avez tous réclamé. La grande hérétique en personne, le Faucon Ardent. Oh, regardez qui s'est fait plumer. Souris. Hey, nos fidèles les plus fervents auront l'honneur de pouvoir achever la paix. Mais c'est pas tout. Le chemin de la Grande Arche s'est révélé à nous. Prochain arrêt, Prométhée! Surtout partagez, likez et obéissez. T'en fais pas, Lilith. Toutes les légendes meurent un jour. T'as eu une belle vie. Je crois. C'est juste un truc qu'on dit. Je le pense pas vraiment. Bon, allez. Faut qu'on se tire d'ici. Je veux voir si Katagawa va tenir parole. Laisse les miettes au clébard. Eh bah, salut. Merci pour la carte. Et pour tes pouvoirs. Compte sur moi pour finir ce que t'as commencé. À plus, Faucon Ardent. Faudra penser à changer de nom. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Une embuscade! Oh, la porte est naze! Prends l'ascenseur jusqu'à la passerelle. Je vais essayer d'ouvrir. On va se venger. De l'arche. On va se venger, on va se venger. Enfin! Ma récompense! Ça allait faire mieux que ça, pauvre naze! Allez. Je savais bien que les DDA nous laisseraient pas quitter Pandore sans une bonne bagarre. Eh ben, ils vont être servis. Chasseur de l'arche, aide-moi. Allez, reviens! Il se passe quoi là? Bah oui, bah. Je suis tombé où là? On s'en fout, allez.
peu, les connards! Laisse venir. Voilà. Debout, commandant. Merci, chasseur de l'arche. Ça va aller. On retourne au vaisseau. Chasseur de l'arche, par ici. Je te laisse garder cette piste d'astronaute, trésor. Oh, c'est la merde. Mais on débriefera plus tard, ok? Faut qu'on se dépêche de se tirer d'ici et on trouvera pas plus sûr que ce vaisseau. Chasseur de l'arche, dans le vaisseau. Faut qu'on se tire avant que ces salopards de descendants attaquent. Qu'on a gagné un niveau. Allez. Faut aller où ? J'ai loupé un épisode ou on peut monter où? Ah là, idiot bête. Et voilà, on a fait quand même une petite partie de l'histoire. Donc là on va accéder au vaisseau, on va pouvoir développer un petit peu des modes pour porter plus de munitions, etc. normalement, si je me trompe pas. Avoir plus de place dans le sac à dos aussi. Ça, c'est cool. Voilà. Voilà, donc on avance un petit peu dans l'histoire. Lilith n'est plus une vraie sirène. Tu veux dire que Tyrene lui a pris ses pouvoirs? Eh ben on va retrouver cette reine salope et les récupérer. Mais vous êtes dingue! Faut rester là et se construire une cachette! Le robot n'a pas tort. Est-ce qu'on peut vraiment affronter les Calypso dans notre état présent? Tyrene veut le pouvoir de l'Arche et on est les seuls à pouvoir l'arrêter. On doit la trouver avant elle. Je suis peut-être plus une sirène, mais je reste un pillard, comme nous tous. Je suis avec toi, Lilith. Compte sur moi. Et quand je dis ça, je le pense vraiment. C'est exactement ce que je disais. Alors va pour la mort. Et puis, je ne vais pas rater une occasion d'étudier une nouvelle arche. Parfait. Donc, c'est parti. En route! Direction Prométhée! Hé, hey, Lilith, ça porte malheur de quitter l'orbite dans un vaisseau qui a pas de nom. Il en a déjà un. Sanctuary. Chasseur de l'Arche, approche. Très bien. Donc, ah bon, on peut pas faire autrement. Ok, donc je peux même pas aller acheter mes mods ni rien. Bon, on va parler à Lilith. Tanis n'a pas tort. Tyrene est plus dangereuse que jamais. Elle a une armée, la carte et mes pouvoirs de sirène.
On va avoir besoin de toute l'aide possible. Claptrap, qu'est-ce qu'on a comme info sur Prométhée? Ah, Prométhée! Une métropole en vue, résidence de la société Atlas. C'est la planète la plus avancée technologiquement de ce côté-ci de la galaxie. Atlas, hein? On va devoir les convaincre de nous aider à trouver l'Arche avant les Calypso. Recrue, branche la puce d'astronave qu'on puisse mettre le cap sur Prométhée. Mais où? Ah là. Okay. Très bien. Allez, on se tire d'ici. Accrochez-vous. J'ai installé un moteur à implosion. Ça veut dire qu'il faut être vachement prudent avec. Une seule petite erreur et ça peut mettre un terme rapide à l'aventure. On s'en fout. Je suis là. En route vers Prométhée. Claptrap, non. Je crois qu'on a plus de gravité. C'est quoi ce bordel? On a une faille dans la coque. La pression tombe. C'est bizarre. Je vois plus la faille qu'on avait dans la coque. C'est parce que la dernière chose qui sépare ce vaisseau de l'espace, c'est mon boule. Mon cul a sauvé tous vos culs. Une seconde. Je vais reboot le générateur de gravité. J'aime pas voler comme ça. Mais bon, c'est fini. Merde! Le moteur est HS. L'astronave et la propulsion aussi. Tant que les systèmes seront pas réinitialisés, on va dériver. Ellie, ça va prendre longtemps? T'inquiète, paupiette. Je suis sur le coup. Fais ce que tu peux, mais vite. Chasseur de l'Arche, va voir le reste de l'équipe. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Claptrap, garde ton cul dans ce trou. Tu peux compter sur moi. C'est n'importe quoi. Très bien, donc on va arrêter là. Parce que sinon on va faire comme la dernière vidéo, on va se rengager dans des trucs et ça va être trop long. Donc on visitera le vaisseau dans la prochaine vidéo. J'essaierai de trouver Marcus pour qu'il... pour qu'il nous fasse développer un petit peu le personnage. Et voilà, on verra pour inspecter l'équipage. Voili, voilou. Et je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Bye bye.